pour nous accompagner tout au long de cette semaine. Elle fait partie de la bande de Midi en France. Hein. Vous la connaissez bien si vous nous suivez de 10h50 à 11h45. Le camarade Sophie Bernard. Bonjour. De François. Merci. Normandie. Sophie, oui. On attaque tout de suite avec des images surprenantes. Allons-y. Tu m'as dit ce matin, les Docks Café. Vu d'en haut, les Docks Café, c'est quelque chose. Figurez-vous que dès 1815, Le Havre s'impose comme le premier port français de commerce et de négoce des denrées tropicales, coton, café, bois, épices. Et pour agrandir ce port, il a fallu fabriquer des docks en 1846. Les Havrais sont ainsi les premiers Français à découvrir ce type de construction jamais réalisé dans l'Hexagone jusqu'alors. Dock Café, Dock Vauban, c'est un grand parc exposition, mais en bien plus beau ici. Et un centre commercial avec des restaurants, des cafés, des salles de ciné. Et tout ça avec vue sur l'eau. Magnifique, les docks du Havre. Voilà, c'est une belle vue. On en a, depuis le début de la semaine, tu nous présentes des images exceptionnelles et uniques pour Midi en France. Bah, tout a été réhabilité, c'est splendide. Ça a végété pendant quelques décennies à la fin des dockers. Oui, c'est entièrement refait. C'est vrai que c'est très, très agréable. Très chouette. À visiter.